Alors, à quoi on reconnaît un amortisseur qui est mort? Là, par exemple, celui-ci est neuf. Je vais appuyer dessus, si j'y arrive. Donc là, forcément, il revient. Et c'est un petit peu difficile de le retenir. Alors que celui-ci, bah, il revient plus tout seul. Il est très facile à enfoncer. Donc il est cuit, il est mort, voilà.